tu peux aller jeter un œil. A priori, c'est une espèce de. C'est comme une espèce de poudre, en fait. A priori, tu soulèves le truc, tu as l'impression que c'est quelque chose qui a pas l'air d'être très lourd dedans. Espèce de poudre. Quelle couleur? Bah, tu regardes, tu sais pas, t'as pas ouvert le truc, mais tu Ah penses bah que. si. Ah Ah, bah t'as si carrément si. ouvert le truc, bah Bah vas-y. pour savoir si c'est une Bah, fais un poudre. jet de stealth dans ce cas-là. Oh bah c'est sympa, tiens. J'aimerais bien qu'on ouvre mes cadeaux. Et je sais pas Ah, caché. non, non, pas caché. Oh bah oui, à fond. Ok. T'ouvres le truc, t'ouvres le machin, mais en fait, le nœud se détache un peu trop, donc le truc, en fait, s'ouvre d'un coup. C'est ça, un peu comme une fleur, c'est la. Comme une bourse qui s'ouvre, en fait, d'un seul coup. Parce que c'est piégé, c'est pour ça. Non, c'est pas piégé, mais apparemment, il y a de la poussière dedans. Ah d'accord, Même disons. si t'en as fait tomber un petit peu sur le sol, en faisant ton truc. D'accord, mais bon, la poussière, elle se transforme pas en espèce Non, de non, non, créature ou non, quoi que ce non, non, soit. non, non. Non, c'est juste que maintenant tu l'as ouvert et que voilà. Et que c'est perdu, mais bon, c'est pas grave. Ok, bon, bah, je referme le machin, hein, comme D'accord, j'ai ok, tout ça marche. Bon, le géant, toujours pas, hein, Et c'est. il en remet la poussière Le qui a fait géant, je tomber le dedans. ziote moi aussi et j'essaye de faire un arcana. Ok, vas-y, regarde. Putain, Tu mais c'est penses qu'il est dans royal. un état. Tu penses qu'il Mais je est. sers à rien, en Alors, non, c'est pas que tu sers à fait. rien. Tu penses qu'il est. Alors, t'es pas non plus, c'est pas ton domaine. Hein. Non, non, mais je sais, mais. Il a fait un Tu penses AVC. qu'il y a. C'est pas exact. Tu penses qu'effectivement, il y a un truc dans le sort qui se passe pas bien, quoi. Il lui est arrivé un truc pendant le lancer du sort. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je crois qu'il est dans les plans, il est bloqué dans les plans, quoi. Bah Y a oui, je sais pas où moyen de il le bug ramener ou. ou quoi là? Oh, Zephyros! On va le porter, on va le remettre dans son Non, coin. non, à mon Je avis, c'est plutôt l'appelle. dangereux. C'est plutôt dangereux, à mon avis, de. Ah ouais, mais on va Donc, pas du rester coup. comme ça pendant des Bon, heures. Là, vous êtes bloqué sur l'aire d'autoroute, hein. Il nous a expliqué que. Alors, en fait, ils Il avaient avait une expliqué. bibliothèque, c'était là où on lisait, là. Alors, Oui, l'autre, c'est tout de ça, ouais. suite, va piller la bibliothèque. Non, je vais dans la bibliothèque et je cherche à contacter les plans. Je prends tout ce qu'on peut. Contactez le Bah, je suis crétin. désolé, s'il y a une bibliothèque, c'est qu'il doit y avoir des sorts, des machins. On va peut-être trouver quelque chose là-dessus pour soit le ramener, soit Je on nous pense que dit t'es loin qu'il d'avoir faut les surtout pas os. le toucher, Ah, enfin, y a tu quelqu'un vois. qui fait du bricolage. Qui c'est qui bricole là? Qui change les jantes de la Renault Fuego. Tu vois ce que je veux dire? On se met à chercher pour voir quelque chose qui traite de ce sujet-là. Il n'y a aucun de D'accord. nous qui est magot, donc. Attends, tu commences à regarder, t'as des bouquins, il y en a des partout. Ah, il doit bien y avoir un classement qu'on comprend, enfin, je Non, sais mais pas. oui, tu regardes, mais en fait, t'as des trucs, c'est des sorts. Et puis en fait, le principe des sorts dans Donj, surtout que c'est des sorts de mage en plus pour toi, donc c'est encore pire. Parce que Alors, toi, en c'est pas ce fait. que je cherche, hein. Moi, ce que je cherche, c'est pas les sorts. Moi, ce que je cherche, c'est de la connaissance sur ce sort. C'est pas pour le Ah, lancer d'accord, ou autre. ok. C'est un bouquin qui dirait, comme pour une maladie, machin, voilà, tel sort, en fait, faut faire attention à ci, faut faire attention à Spellcraft, ça. quoi. Et si jamais, machin, il se pète Ok. la gueule quand il fait ce sort, faut faire Eh ci, bah, tu vois. dans ce cas-là, fais un jet d'investigation pour essayer de trouver le truc, quoi. Bah, tout le monde, hein. Ouais, bien 20 Bah, épisodes. Moi, je ok, cherche bah. plutôt son testament. On a foutu. Fais un jet d'investigation dans ce cas-là. Oh, il y a un Ouf. 20 naturel. Ouais, Mais je sers à rien, quoi, Quoi, putain. tu sers à rien? Mais si, tu sers à quelque chose. Mais si t'as lancé l'idée. Si, bah si, à un moment, Moi, vous je lance tombez. les idées et vous l'aidez, alors. Ben, un moment, voilà, à un moment, il y a effectivement, vous tombez sur un truc qui a l'air d'expliquer qu'effectivement, il y a un moyen de contacter les autres plans, et qu'il est possible parfois que le lanceur du sort, en fait, se perde un peu comme dans un labyrinthe, en fait, et que là, a priori, ce que vous comprenez, c'est que son esprit est planté quelque part, quoi. D'accord. Et dans la fac, ils disent quoi? Et dans la FAQ, ils disent, bah, il faut attendre qu'ils reviennent, quoi. Ah putain. Il n'y a rien d'autre à faire, on peut rien faire Ah, pour lui. a priori, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut pas le Alors après, ils rejoindre, disent, on peut pas. alors après, ils disent que le temps est complètement relatif, en fait, dans ce genre de truc. Donc du coup, Ça dépend du plan sur lequel il se c'est trouve. ça. Donc du coup, des fois, ça va très très vite, et puis des fois, c'est très très lent. Bon, bah, je sers des rafraîchissements à nos Ouais, invités. bon, on va faire un tarot. C'est D'accord. ça. C'est ça. Ok. Ouais, enfin, si ça fait plusieurs jours. Moi, j'essaie. Ils nous avaient pas expliqué comment ça se manipulait, les orbes de contrôle, là. Non. Non. Bah, on n'est pas à Non. la taille en plus, je Il y a suppose. moyen de comprendre comment ça marche? Tout seul comme un grand ou pas? T'as aucune idée.
Non, bah si je m'approche et que je dis bon, allez, vas-y, continue, avance. Non, j'essaie de me concentrer dessus, de voir une image, n'importe quoi. Rien du tout, c'est carrément le blackout absolu, quoi. D'accord, j'ai pas le code de l'abonnement, quoi. Okay. J'ai pas le code du truc, et puis c'est surtout, a priori... Je pensais que ça pouvait être open bar. Hein, ah non, c'est ouais. A priori un truc, tu serais pas surpris que ça soit quelque chose qu'il ait fabriqué lui-même, ou sa magie, ou quelque chose dans ce goût-là. Du coup, effectivement, okay. Le temps commence à... machin. Donc les... On leur explique pour l'instant, bah voilà, ça prend plus de temps que prévu. S'ils ont autre chose à faire, peut-être qu'ils peuvent laisser une ou deux personnes là et vaquer à leurs occupations le temps qu'ils reviennent, parce que là, il y a de la friture sur la ligne. Ouais, il a du mal à les contacter, voilà. Bon, ok, donc ça vous a pris pas mal de temps tout ça, hein, effectivement. La nuit commence à tomber, enfin machin. Qu'est-ce qu'il décide quoi? Bah, qu'est-ce qu'ils décident? Ils commencent à trouver un peu le temps long et ils disent, mais vous êtes sûr? Vous pensez vraiment qu'ils veulent nous aider? Vous comprenez, c'est très important pour nous. On ne sait pas s'ils veulent vous aider ou pas. Pour l'instant, il est en communication avec eux. Ça prend du temps. Maintenant, c'est est-ce que vous, en tant que serviteur de vos dieux, moi je connais hein, un peu la question, est-ce que vous avez la patience d'attendre ou vous préférez juste laisser le cadeau et on vous contactera. Quoi? Non mais c'est très diplomatique. Ouais, non, c'est très diplomatique. Ouais, effectivement, il remarque quand même que même si c'est pas du même dieu qu'eux, ils sont machin. Par contre, tu sens clairement qu'ils sont pas sains, quoi. Tu sens que c'est pas ils disent faire revenir le truc au monde primordial. Oui, non mais ça, j'ai bien compris que c'était ma boule, mais ça c'est un peu Armageddon. Alors, je me pose juste une question dans ma petite tête, hein. On a un moyen de descendre de ce nuage On a des griffons. D'accord. Ok. Bah, c'était juste pour savoir s'il fallait leur choper un truc. Oui, je peux pas lui en dire. Et du coup, en fait, à un moment, vous entendez une espèce de ouh, comme ça, un peu comme Raymond Barre. Voilà, et. Et en fait, vous voyez Zephyros se lever, tituber un petit peu, et dire « J'ai réussi enfin à avoir la réponse à ma question !» Mais qu'est-ce qui s'est passé, vous avez l'impression qu'il... C'est comme s'il avait pris 25 spliffs à la minute, quoi. Il est complètement dans les choux. Hein. Oui, ben on peut pas le porter, hein, donc ça va être un peu compliqué. Mais... Voilà, c'est ça. Donc du coup, effectivement, il... Comment dire ? Il regarde les autres gars sont restés là. Les autres gars qui sont restés là et il leur dit j'ai pris la décision, je ne pense pas que je vais pouvoir vous aider. C'est une mauvaise vous avez des mauvaises intentions. Là c'est méfiance là. Quand il dit ça, j'ai la main sur mon arme quand même. Hein, il est où Zephyros? Ah ben il est là-haut, il est en fait le niveau au-dessus en fait. Mais comment il leur parle en fait? Comment il leur parle? Avec la bouche. Je veux dire, comment ils l'entendent? Ils l'entendent parce qu'en fait, il est au niveau. Alors, tu sais que la tour, en fait, a trois niveaux, en fait. D'accord. Donc, vous êtes au rez-de-chaussée, d'accord? Et au premier niveau, en fait, voilà, au premier niveau, c'est là où il y a sa chambre, il y a la fameuse orbe. Et c'est ça, là, j'ai en fait, compris. Ok. Et donc, en fait, t'as un espèce de trou, tu vois, dans la tour. Je sais pas ça, si d'accord, vois, ça, c'est okay. L'ascenseur, ok? Et donc, voilà. Il parle par l'ascenseur, en fait. Voilà, en fait, il parle par l'ascenseur. D'accord, de ok. Fait, d'accord. Donc, du coup. Comme si c'était une ligne. Voilà. Donc du coup, effectivement, vous voyez tout d'un coup que les gars ont l'air un petit peu de s'agiter. Et il leur dit « Je ne vous demande aucune aide et je vous demande donc de quitter ma demeure. » Ah bon, c'est pas grave. Moi, je serais à votre place, je resterais dans le rond histoire de remonter en fait. Peut-être. Moi, je suis déjà remonté. Donc, toi, t'es déjà remonté, toi. D'accord. Ok, toi t'es. Donc, Denis, il est remonté. Du coup, les gars sont un peu. Mais attendez, maître géant, vous comprenez bien que c'est quelque chose de très important pour nous. Nous demandons une réponse. Bah, vous l'avez eu, votre réponse. C'est non. Merci, au revoir. Alors, j'ai de diplomatie. Dis-en mettant la main à l'épée. Ouais, en sortant monarque. D'accord, ok. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, merci. Veuillez ne pas quitter.
Veuillez ne pas quitter. Tu vois qu'effectivement, le... Comment dire ? Maître Zephyros va se reposer, je suis désolé, mais il va falloir le laisser maintenant. Il va falloir... J'essaie d'être assez ferme. Je peux utiliser intimidation, si tu veux, si ça peut servir. Oui, tu peux faire un jet d'intimidation, si tu veux. Oh, pas mal. Tu vois qu'ils te regardent, genre, l'air un peu mauvais, tu vois. Ils font, très bien, vos visages ne nous resteront pas oubliés. Oui, c'est ça. Moi, j'ai capuche. T'as raison. Je me couperai la barbe. De toute façon, ils me regardent pas en face. Voilà, donc ils vous regardent méchamment, et en fait, effectivement, au bout d'un moment, ils sortent du truc. Zephyros, en fait, se rassoit. En fait, on leur redonne leur cadeau, peut-être. Je suis désolé, moi, je suis un mec carré, quoi. Non, mais ils sont venus, c'est juste pour le service, quoi. Ils ont laissé un cadeau, quand tu viens avec une boîte de chocolat chez les clients, tu la laisses, ta boîte de chocolat, même si le client, c'est un con. Ouais, mais moi, je suis pas un fou. Donc, du coup, il se barre en vous regardant très méchamment et en disant on se retrouvera, géant, et vous aussi, on vous retrouvera. Nous n'aimons pas la manière dont vous traitez notre importance. Ça vous dépasse. Ouais, ta connerie aussi. Ouais. C'est ça, casse-toi, connard. Donc, du coup, effectivement, les voilà tous partis. Et Zephyros, en fait, va faire dodo. C'est ça, vous dit qu'il va se reposer, mais qu'il sera tout à fait d'aplomb pour demain reprendre le On continue à faire du surplace dans ces cas-là. Voilà, vous êtes toujours en surplace pour le moment. Donc, ça veut dire que c'est ouvert. On peut pas lui demander de le mettre un tout petit pilote automatique. Non, ça marche pas. Par contre, c'est quand même un petit peu inquiétant pour vous, l'air de rien. Hein. Parce que vous êtes quand même en plein milieu du ciel, dans une tour en pierre, avec un géant qui a l'air par moment d'avoir des absences. Hein. Bah là, il a pas l'air bien. Tu vois les catastrophes partout. Mais il aurait pas un tapis volant, une connerie, enfin, je sais pas, un truc pour descendre, un ascenseur qui va jusqu'en bas. Non. Un haricot magique. Non. Mais quand vous avez dit les griffons. Bah, les griffons, les griffons, c'est un peu des, je sais pas, comme si c'était un peu comme si je disais des chiens errants, quoi, qui sont foutus là-dedans. C'est-à-dire qu'ils obéissent à leur maître, mais à nous pas trop. En fait. À nous, à vous pas trop, non. Déjà, quand on c'est même pas vraiment dessus, leur maître, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, de ce que vous avez compris, quand même, vous avez quand même passé quelques jours à bord, vous avez compris qu'en fait, effectivement, ils leur donnent à manger. Oui, et puis c'est surtout, en fait, ils vont chasser, ils vont machin. Non, le truc qui est important, c'est qu'en fait, ils ont une vraie connexion avec les créatures de l'air. Un petit peu comme, je sais pas, c'est un peu un exemple auquel je pense comme ça, c'est un peu comme Aquaman dans la Justice League. D'accord. C'est le machin, il parle au boisson parce que. Ouais, dis donc. Voilà. Si on en est rendu là. Bah, c'est pas brillant. Ah bah bravo. Ouais. Ah bah franchement, si c'est la Justice League. Alors là. Aucun d'entre nous n'a demandé un objet magique qui vole, quoi. Donc, la merde. En fait. De toute façon, qu'est-ce qui. Ah, par contre, il y a un bateau pliable. Moi, j'ai un bateau pliable, les gars. Oui, mais pour naviguer, c'est bien. Ça flotte, c'est ça peut voler un peu, quoi. Non, c'est pas mal un bateau. Je trouve que c'est un beau truc. Hein. Moi, je pense que c'est sympa. Tard, et puis peut-être que ça servira plus tard, on sait jamais. Oui. Ah, bah, faut pas me donner des trucs comme ça, moi. Parce que je peux faire plein de conneries avec. C'est bien pour ça que je te l'ai donné, d'ailleurs. Je peux faire plein de conneries avec un bateau pliable. Donc, du coup, le lendemain, en fait, Zephyros, en fait, se réveille. Vous entendez ce. Ah, c'est pas mal, déjà, il pèse juste la nuit, quoi. Il va pas dormir pendant Et en fait, il se dit alors, que s'est-il passé exactement hier? Hein. Alors, on essaie de leur reparler de ce qui s'est passé, donc des joueurs. Quand vous êtes allé sur les autres plans chercher vos réponses, vous êtes resté une demi-journée enfin 6 ou 7 heures en transe. Bon, vous voyez qu'il est un petit peu perturbé aussi. Il dit bon, très bien. Eh bien, écoutez, rendons-nous enfin dans la direction. Vous vouliez aller où exactement? Tribord. Oui. Au nord. Voilà, c'est sûr qu'il ait récupéré totalement ses facultés. Je sais pas s'il les a jamais eu complètement, en fait. J'ai une petite question. Comment des invités comme nous pouvons descendre sur la terre ferme? Les autres. Bien sûr. Oui. C'était une question juste pour savoir
m'intéressant un peu à ce qui se passe sur ce nuage. Les petites gens, vous avez toujours le mot pour rire. c'est la curiosité. La curiosité. Ah, et du coup, il se remet à se concentrer sur son espèce d'orbe et vous sentez effectivement la tour repartir. Ouais, j'aurais essayé. C'est un peu comme c'est un peu le train entre Limoges et Vierzon, en fait. Hein. C'est reparti. Voilà, c'est ça. C'est un peu chiant au bout d'un moment quand même de vous regarder. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à voir. Et puis vous êtes sur votre nuage, machin. Et à un moment. On est comme sur un nuage. Au bout d'un moment, au bout de 10 jours, vous voici, vous voilà arrivé à Tribor, où effectivement vous. Mais c'est vraiment gênant comme nom, hein. Franchement. Bah, c'est pas de ma faute, ça s'appelle Tribor, les trois sangliers, je peux t'appeler ça, mais je sais même pas comment ils ont traduit ça en fait. Alors que ça va bien avec le bateau, hein. Tu lui as donné un nom à ton bateau. Le Titanic. Bah non. Le HMS Brexit. La Moco Cadiz. Le HMS Nigel Farage. J'ai FK 2 minutes parce que j'ai ma lampe qui vient de sauter. Je oh merde. J'arrive. D'accord. Elle s'est radicalisée, non? Bon, si on est arrivé dans le voisinage de Tribord, on va descendre. Hein. C'est pas qu'on s'ennuie avec vous, mon cher ami, mais... Du coup, effectivement... Quelle solution on a pour descendre? Est-ce qu'il pose le château au sol? Donc, effectivement, donc ce qu'il fait, hein, il y va franchement. Pas en ville. Hein. C'est hors de question qu'il atterrisse en ville avec son machin. Hein. Je peux bien comprendre qu'il faut qu'il aille à proximité quand on finisse à pied. D'accord, ok. Donc il fait ça discrètement. Il se pose à quelques milles. Alors, en fait, je lui repasse du but de la mission qu'il nous a confié pour savoir s'il s'en souvient toujours. Donc je lui explique qu'effectivement, il faut qu'il soit relativement discret parce que sinon, il va savoir qu'on y a un lien entre nous et lui. Mmh. Et que si des gens nous espionnent, nous, notamment ceux qui ont été chassés d'ici, ils vont savoir qu'on cherche des informations sur votre roi. Il a l'air largué quand je le parle ou... Non, il a l'air de s'en souvenir. Il dit, ah oui, ça, je m'en souviens tout à fait, oui. Ah oui, bien sûr, d'accord. Donc du coup, oui, ça lui parle. Et du coup, c'est là qu'il vous dit qu'il va poser la tour un petit peu plus loin, à quelques milles, en fait, de Tribor. Pas à 25 km, mais en gros, il se pose dans un endroit, enfin, il se pose, il descend, et effectivement, vous êtes à nouveau, si vous le souhaitez, à d'autres griffons pour descendre au niveau de... Ah oui, ah bah d'accord. Oui. On est bien obligé de descendre avec les griffons, alors. Bah, en fait, il peut pas non plus se poser au sol, quoi. Il n'y a pas un train d'atterrissage qui apparaît, et... Ouais, c'est pas l'Alcorac, quoi. Il aurait pu faire un Maslaï, hein. L'Alcorac. Ou le Vénusiaque. Du coup, en fait, il se pose, et effectivement, vous descendez avec les griffons, et vous le voyez, en fait, il vous dit au revoir, et qu'il sera ravi de vous retrouver, en fait. Bah nous aussi, Je suis pas sûr qu'il se souviendra jamais de nous, mais enfin, c'est pas grave. Et donc, du coup, voilà, vous voilà à quelques milles de Tribor, charmante petite ville frontière. Avec des objets magiques qui nous a confié un gars qui a Alzheimer, c'est génial. Allez, on se casse. Oui et non, parce que tu te rends compte quand même que c'est quand même craignos du bout d'un... Non, mais c'est important quand même qu'on arrive à trouver, parce que ça a une incidence pour nous. Bah, c'est une incidence sur à peu près tout le monde, en fait. Hein. Pour notre monde. Bah, sur toute la côte sauvage, effectivement, ils sont en train de piquer les monolithes. Et puis vous aviez également une quête, hein, je vous rappelle. Ah, une quête secondaire. Oui, on devait apporter un message. Il s'est passé quoi? Rien du tout, vous êtes descendu à d'autres griffons. On s'est posé. Bah, t'étais encore pas loin, en fait. T'étais encore pas là. Vous êtes descendu à d'autres griffons, vous êtes posé, et en fait, les griffons sont repartis. Zephyrus vous a dit au revoir. Et effectivement, vous êtes à quelques milles, hein, à quelques lieues, on va dire, de Tribord, puisqu'il voulait effectivement faire ça de manière discrète. Enfin, c'est ce que vous lui aviez demandé également. Est-ce qu'il nous a posé, alors ce qui serait pas mal, ce serait qu'il nous ait posé près d'un cours d'eau qui descend jusqu'à la ville. Qu'on puisse y aller en bateau. Comme ça, vous auriez fait vos intéressants. Oh non, on aurait pu y aller en bateau pliable. Ça, vous auriez fait vos intéressants, c'est ce que tu as dit. Oui, mais c'est pas l'intérêt du bateau pliable, parce que le bateau pliable, quand il est déplié, on sait pas qu'il était pliable, tu vois. Bah si, quand t'arrives et tu le replies. Non, mais tu vois, le truc, il est... Ouais. Alors, ou alors, on déplie le bateau et on lui met des roues. Ah et ouais là... On déplie le bateau et on lui met des roues. C'est comme dans Astérix. Comme dans Vikings. C'est dans un Astérix. Comme ça. Du coup, en fait, effectivement, au bout d'un moment... Ben là, il n'y a pas de... Bah, on trace à pied. Voilà, vous allez jusqu'à Tribord. Ah, c'est bon. Et du coup, quand vous arrivez là-bas, donc c'est vraiment une ville frontière, hein, dans la
dans une petite vallée, qui est en fait un emplacement, c'est un emplacement relativement stratégique, parce qu'il y a deux grandes routes en fait qui se croisent à Tribord. Non, stop. Appelle-le d'un autre nom, mais faut arrêter. Ah, tu que je te dis Boar, je sais pas, appelle-le Boar si tu veux. Bah non, c'est Boar. Tribord. Tribord, ouais, non, mais c'est mieux que Tribord parce que c'est. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Ah, mais il m'énerve. J'en sais rien, moi. Tiens, je donne la mission à notre ami à Laurent sur. Cherche un œil sur Google pour savoir le nom français de Tribord, voilà. Côte des Épées, Tribord, et puis essayer de trouver le nom. Il faut un vieux bouquin des Royaumes Oubliés ou un truc comme ça. Bref, tout ça pour dire, effectivement, quand vous arrivez dans le patelin... C'est mieux, ça. Voilà, le patelin, c'est mieux. Et effectivement, quand vous arrivez, c'est une assez grande ville, hein, l'air de rien. Je vais vous partager... j'avais une carte de la ville, évidemment, que je ne trouve plus. Où est ma carte de la ville, évidemment, je ne la trouve pas. Je vais vous retrouver ça. C'est un peu le problème de Fantasy Ground, c'est qu'il y a tellement d'infos. Alors, ils ont traduit ça soit en Tribord... avec un B-O-R-C, ou soit Trivera. Tri-quoi ? Vera. Trivera, comme un Vera. Vera, V-E-2-R-A ? Bah oui, A-T. C'est quoi un Vera A-T ? Un Vera, c'est un port mâle. En âge de procréer, vois-tu. Trivera. Oui, Boar. Ouais, Boar, c'est un sanglier. C'est un sanglier. Mais t'as dit, ça s'appelle comment ? C'est Tripor, ou Trivera. Tripor. Allez, on va garder Tripor. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Bon, allez, ok, Tripord. Donc, du coup, quand vous arrivez, voilà en gros à quoi ressemble le patelin. Hein. C'est quand même pas mal, c'est quand même assez gros. Et il y a effectivement une auberge, un endroit où, comment dire, où il y a des ventes, il y a une, il y a pas mal, il y a un market square, enfin tu vois. Un marché, on appelle ça. Un marché, c'est ça le mot. Voilà. Vous apprenez effectivement, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'a priori le leader en fait du patelin, c'est ce type-là. C'est un homme, ça, c'est ça. C'est, je sais pas, c'est un elfe en tout cas. D'accord. Tu fais partie des ménestrels. Non, c'est une elle plutôt. Par contre, elle fait partie des ménestrels comme vous. Ouais, ça se voit bien. Hein. Elle a clairement le badge. Hein. Elle a un gros pins. Gros pins, c'est ça. Elle badge du parti. Du coup, voilà. Vous savez pas trop ce qu'elle fait, mais elle a été élue en fait par le peuple de Tripord pour en gros gérer les problèmes, maintenir l'ordre civil, etc. Voilà, ah, voilà. Donc il y a aussi une milice en fait, hein, qui sont à cheval, c'est des humains, des trucs comme ça, et qui sur les principes. Voilà, et qui patrouillent également les routes, puisque les routes sont quand même relativement importantes. Et donc il y a pas mal d'attaques potentiellement. Donc au milieu c'est une tour, hein, c'est ça ? Au milieu c'est une espèce de tour, c'est ça. Et donc vous voyez aussi sur les côtés, là où il y a des espèces de grands espaces, c'est en fait des emplacements pour mettre des caravanes en fait. Des campes, pas des caravanes. Oui, les caravanes qui viennent. Des caravanes et qui s'installent. De marchands. Caravanes-sarais. C'est pas, mais c'est ça. Oui, voilà, caravanes-sarais. C'est pas les Romains Michel, quoi. Pour être clair. Il n'y a pas des mecs avec des paraboles sur le toit, quoi. Et du coup, il y a également, des auberges, il y a des trucs. C'est plutôt assez actif, hein, comme ville. Hein. Que faites-vous quand vous arrivez là-dedans ? On met le feu. On va les foutre à l'auberge parce que ça fait 10 jours qu'on fait chier chez un géant, à mon avis. Oui, vous commencez un petit peu à. On va voir des gens, quoi. Bizarrement, on a un peu le mal de l'air, en fait. C'est que bizarre de marcher sur terre comme ça, d'un seul coup, et ça bouge plus. Ça fait un peu bizarre. C'est ça. Et du coup, effectivement, l'auberge en question, en fait, hein. Oui. Il y en a un peu partout. Il y a plusieurs endroits qui sont des comptoirs marchands en fait, où on peut acheter des chevaux. Il y a toujours moyen de boire un verre, enfin machin. Donc c'est assez. Un truc un peu select quand même. Hein. Pas un bouge à marchand de caravanserai, tu vois. Par contre. Les marchands, ils ont du pognon, donc ça va être bien. C'est pas forcément. Alors en fait, il y a une comment ça s'appelle le
le nom de l'auberge, c'est dans le nom typique du pub, alors je vais le dire en anglais, je suis désolé, c'est The Tribord Arms, qui est vraiment le nom typique d'une auberge. Ça serait le bras de Tribord, hein, pour être clair. Ou les armoiries de Tribord, je sais jamais trop, en fait. C'est ça. C'est le truc qui est à droite de la tour? Non, je vais te partager ça, attends, c'est là. Si vous avez accès à la carte, c'est là. C'est ce bâtiment-là, okay. En fait. D'accord. Ok. Ok. Qui en fait, a priori, vous apprenez assez vite que ça a été brûlé deux fois et ça a été reconstruit deux fois et c'est tenu par un halfling. Alors ça a été brûlé par les occupants. Non, apparemment il s'est passé des trucs, un combat qui a mal tourné et un. Mais voilà, ouais, c'est. Voilà, des trucs à la con. Donc c'est un halfling effectivement qui est là. Et en fait, du coup, en fait, quand vous arrivez là-dedans, il y a toujours une bonne ambiance. Ça change un peu. Vous apprenez assez vite, effectivement, qu'il y a eu de plus en plus de. Vous entendez parler, effectivement, encore une fois, d'attaques de géants, d'ogres. Ah mince. Voilà, éventuellement de barbares. Il y a des tribus barbares en fait sur toute la côte des épées dans tout ce coin-là et qu'a priori elles sont sur le pied de guerre pour certaines. Il y a des tribus de barbares qui se mêlent aux géants ou rien à voir. Ils profitent ou est-ce qu'ils ont été entre guillemets dérangés dans ce qu'ils faisaient d'habitude à cause de ça. Bref, ça en fait a priori les attaques de géants ont ramené pas mal de saloperies, des gobelins, des ogres, des trucs. Donc du coup, en fait, la zone est devenue une espèce de poudrière, en fait.